Salut tout le monde, moi c'est Nico. Et moi c'est Kochnik. Nous espérons que vous allez bien et si ça ne va pas, à bon courage à vos rétablissements. Aujourd'hui, on se retrouve sur Keep Talking and Nobody Explode, un jeu de déminage de bombes avec une petite particularité. C'est que moi, sur cet écran-ci, je vais jouer le démineur qui va déminer la bombe, mais ce n'est pas une bête bombe, c'est une bombe soit de l'histoire, soit aléatoire grâce au mode libre qui se déverrouille une fois qu'on a fait la première bombe. Mais la petite particularité, c'est que la bombe est composée de différents modules. Les modules étant de petits carrés comportant soit des fils, un bouton, enfin plein de trucs aléatoires. Et en fait, la Neko, elle, sur son écran, aura le manuel d'utilisateur. Et en fait, je vais devoir lui décrire la bombe que je vois, histoire qu'elle puisse me dire ce que je dois faire, en fait, tout simplement. Parce que moi, je suis un des mineurs qui va sans connaître par cœur le manuel. Il y a un manuel, mais bon, on est des mineurs, on n'a pas besoin de le retenir. Donc on va commencer par la bombe. Alors je ferai une partie de bombe en histoire, c'est-à-dire la 2.4, qu'on a déjà fait les premières. Et ensuite je ferai une partie en mode libre, avec 5 minutes, 3 modules et c'est tout. Non, on fera 5 modules, ouais, 3 modules, ça sera suffisant. Ouais, ouais. Et la Neko fera elle aussi une partie en venant sur cet ordi-ci et moi j'irai sur l'ordinateur de Neko histoire de d'avoir l'enregistrement sur la même vidéo, hein, et de ne pas vous faire montrer un magnifique manuel en PDF qui serait à mon avis très captivant pour vous. Il est très organisé. Ah, très organisé. Alors t'es prête? La Neko est-elle prête? Allons-y! Allez, c'est parti. Hop. Alors, il y a 3 modules, ça sera en 3 minutes. C'est parti. Hop. On est mal paré, je le sens bien. C'est quoi le premier? Attends, la pompe n'est même pas encore affichée. Voilà. On est dans le noir. Il est 10h55. On n'a que 3 minutes. Alors, il y a le Simon, le labyrinthe et les symboles. Donc, les symboles. Ah oui, les symboles, je suis dessus. Allez, les symboles, ça tombe bien. Alors, il y a le 6. Le 6, oui. Un smiley qui tire la langue. Oui. P à l'envers. Retourne à l'envers. P à l'envers. P noir. P noir, c'est pas le pi là. Pas le P retourné. Non. P. Ouais, voilà. Une sorte de T couché sur le côté avec un triangle et trident. Oui. Ok. Voilà. Vas-y. Alors d'abord, je dois appuyer sur le 6. Voilà. Le P. Voilà. Le triangle couché avec le bazar machin. Voilà. Et puis le smiley. Voilà, c'est bon. Bon, le suivant, il y a Smiley. Smiley, moi. Simon. Attends. Ou labyrinthe, c'est tout. Hein. Oui, c'est tout. Labyrinthe. Ah, je suis sur le labyrinthe de la bombe. Ah, labyrinthe, alors. J'ai labyrinthe, j'appuie jusqu'à. C'est comme j'ai dit, il y a deux. Aïe. Oh, labyrinthe dont les repères circulaires correspondent. Donc en fait, il y a un seul labyrinthe sur ton manuel qui correspond à un des deux ronds. Pas aux deux ronds, hein, à un des deux ronds. Le démineur doit amener le point blanc jusqu'au triangle rouge. J'appuie les boutons, forme de flèche. Attention, ne traverse pas les lignes de labyrinthe, elles n'apparaissent pas sous l'arbre. Ok, donc j'ai le point blanc. Tu sur le manuel, tu le vois le point blanc ou pas? Ou je dois te dire les ronds verts ou le triangle rouge? Je sais pas ce que je peux te dire. Non, enfin, je pense que. Il reste une minute là-dessus. Les points entourés, tu vas me dire. Ok, donc c'est le quatrième premier rangé. Quatrième premier rangé. Est-ce que t'en as un qui correspond ou pas? Quatrième premier rangé. Dans la première rangée, Première rangée horizontale. Et c'est le quatrième vertical. Première rangée horizontale. Une minute. Je pense, oui, c'est pas l'avant-quatrième rangée. Oui, alors si c'est ça, tu me dis le. Ce que je dois faire. La flèche blanche. Le troisième rangée horizontale, dernier point. Troisième rangée horizontale, dernier point. Ah oui, ok, donc enfin, c'est monte. Voilà. Monte. Voilà. Vers la gauche. Voilà. Descends.
Voilà. Vers la gauche. Voilà. Monte. Voilà. Et voilà. Maintenant, il y a un autre point qui se trouve. Quatrième rangée horizontale. Oui, voilà. Voilà, troisième rangée. Oui, oui, oui. Alors, descend. Voilà. Vers la droite. Monte. Vers la droite. Descend trois fois. Un, deux, trois. Vers la gauche. Voilà. Monte. Voilà. Vers la gauche trois fois. Deux, trois. Tu descends. Voilà. Vers la droite. Voilà. Et le triangle rouge est juste en bas et deux carrés à droite. À gauche, eh ben perdu. Quoi? Ben oui, il n'y avait que 3 minutes. Ah. Alors, on va retry ou ah, pas? En plus, j'avais compris le labyrinthe pour une fois. On a enfin compris le labyrinthe, donc on va retry. Hein. Les trucs auront changé, donc ça sera pas forcément. Ben voilà, le compte à rebours déjà est ailleurs. Donc les trois sont là, voilà. Ah, il y a un bouton. Attends, il y a où mon truc là? Il y a un bouton. Un bouton, il est jaune. Le bouton. Les boutons jaunes avec écrit presse dessus. Attends, le bouton jaune avec écrit presse, okay. écrit presse dessus. Il est jaune. Ah là, il est où, il s'en cherche. Le bouton. Il reste 2 minutes 35. Sinon, il y a un autre, c'est un chiffre avec 4 chiffres en dessous, un écran avec 4 chiffres en dessous en bouton. Oui, je viens de le voir, il y a la chose. Ah, on va faire celui-là alors. Donc, si c'est un 3 qui est dessus. Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton en 3ème position. Qui est le 3, voilà. Suivant, c'est un 1. Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton portant le libellé 4. Ok, le chiffre 4. Voilà. 3. Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton en 3ème position. 2. Ça affiche 2. 2. Voilà. Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton en première position. Voilà. Dernier, allez. C'est à 4. Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton ayant le même libellé qu'à l'étape 3. À l'étape 3, c'était un 3. Merde! Ça accélère, le compte à rebours accélère et on est foutu. C'est à 4. Ça a recommencé depuis la première étape. Ah mince! Oui. Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton en 4ème position. C'est à 3. Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton en 3ème position. Non, c'est à 2. C'est à 2. Ah, si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton à la, position, à la même position qu'à l'étape 1. C'est-à-dire la 4ème? Oui. Vite, 50 secondes! C'est à quoi 4. Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton portant le libellé 4. Voilà, vite. C'est quoi? Ça 3. Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 2. C'est à 3, merde. Non. On est foutu. le bouton peut-être. Histoire d'avoir au moins désactivé un. Ou alors il y a un mot avec 6 mots en dessous. T'as pas explosé, t'as bon. Il y a un truc avec 6 mots en dessous. Oui. Ah, le voilà le bouton. À propos du bouton. C'est un jaune. Dans 4 secondes, j'explose. Adieu. Non, c'est un bouton, le jaune. S'il est jaune, s'il est. Il est pas bleu. Il y a plus d'une belle ou pas, c'est la bombe. 3, 2, 1. Il y a plus d'une belle. Non, il y en avait qu'une. Et ben voilà, je suis mort deux fois d'affilée. Nous avons explosé à cause du temps. Nous ne sommes pas des bons revenus. Putain, les bunis. Si on fait la carrière militaire, pourquoi nous sommes foutus? Bon, on va faire le mode libre. Une fois moi, et ensuite ça sera une fois l'année. Quand on va faire 5 minutes, 3 modules. Et parce que franchement. Allez, c'est prêt? C'est prêt? L'année est prête. C'est parti alors. Et ensuite, la déco viendra, et c'est moi qui devrais consulter le magnifique manuel. Ok. Ah, le compte à rebours est derrière, ok. Ok. Il y a un bouton. T'es toujours au bouton, là, ou pas? Oui. Ok, ben, il y a exactement les mêmes trucs que la bombe précédente. Donc, le bouton est blanc. Le bouton est blanc. Il y a écrit « Hold » dessus. C'est un... Ah, ce bouton est blanc. Oui. Il y a plus d'une pile ou pas hein? Une, deux, trois. Il y a trois piles. Attends, si le bouton est blanc, est-ce qu'il y a un indicateur allumé avec la mention « c'est pas car » Non, c'est pas car. C'est
Inked. S'il y a plus de 2 PL. S'il y a plus de 2 PL, il y a plus de 2 PL. Oui, oui, oui. S'il y a plus de 2 PL sur la bombe, s'il y a un indicateur, allumage un morceau FRK. Non, il n'est pas. Il n'y a pas de FRK. Bon, si aucun des cas, si ne se convient, maintenez le enfoncé. Référez-vous à relâcher un bouton enfoncé. Tu sais que lire le manuel, ça va perdre du temps. Bon, j'appuie. C'est blanc. C'est blanc. Ouais. Relâchez lorsque le compte à rebours affiche 1 à n'importe quelle position. Ok, 4, 3, 2. Hop, c'est bon. Alors, il y a les 6 mots en dessous avec le mot écrit au-dessus là. Attends, je regarde. Ou alors, il y a le. Oui, voilà, je l'ai. Oui, c'est bon. Alors, c'est écrit LEAD. L2ED. Attends, je commence ma chaîne. LEAD. Oui. À l'aide. Non, LEAD. Oui, LEAD. Attends, c'est le. Bas à droite. L'œil, hein. Soit tu appuies sur le bas en bas à droite. Non, non, je ne dois pas appuyer sur celui-là. Il faut que tu regardes juste en dessous. Il y a le mot qui sera affiché. Je vais te dire, c'est lequel, c'est Done. En bas à droite, c'est écrit Done. Donc, je dois appuyer sur quoi? Donc là, tu dois regarder dans le manuel, il doit avoir justement « Done ». Et là, tu regardes le premier mot de... Ah non, ok, attends. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, attends, il est où, Smash? Il est où, Done? Oui, c'est parce que je connais assez bien le manuel pour l'avoir fait plusieurs fois, parce que l'Anico préfère faire la bombe, donc... Oui, ben il est où, Done? Il n'y a même pas Done. Il y a les lumières qui s'éteignent. Qu'est-ce que c'est que ce machin? S'il n'y a pas Done, tu regardes le second mot. Ah, c'est quoi le second mot? Si, il doit avoir Done. Ben, je sais pas. Dans LEAD, L2ED. Je dois regarder quel bouton. LEAD. Ah oui, LEAD, là je vois LEAD, mais Done. Oui, oui, non, mais justement, LEAD, LEED, c'est. Je dois regarder quel bouton. Il est en bas à gauche, tout en bas à gauche. Ah, next. Ah, et puis c'est quoi alors? Ben, next, je sais pas. Ah, le mot next. Faut-il de next suivant? Le mot next, il est où? Il est où? Lead, je l'ai vu, mais next, il est où? Ben, justement, il se trouve pas dans le truc là, il se trouve dans une liste qui se trouve en dessous dans le manuel, il se trouve pas au même endroit que le mot lead que je viens de te dire. Ah oui, ok, étape 2, ok, attends. On est foutu en 2 minutes. Je commence à finir. Allez vite. C'est quoi le premier? J'en refais pour le premier mot, c'est ça? Oui. C'est Wati. Wati. W-H. Non, c'est pas bon, il n'y a pas celui-là. Suivant, le mot suivant, justement. U-H. U-U. U-H, espace H-U-H. Non plus. U-U. U-H, espace U-H. Oui. Voilà, c'est bon. Le mot suivant, là, tu remontes en haut, en fait. Okay. Blanc. Mais à la place du C, c'est un K. Blanc. À la place du C, c'est un K. Alors, c'est au milieu à droite. Your. Y-O-U-R. Ah oui, je le vois dans le premier. Au milieu à droite, toujours. De quoi tu me parles? Ben, c'est pas ça, your. Mais justement, là, je suis dans la liste des mots à regarder, justement. Donc là, tu dois repasser à la liste des mots que je dois cliquer. Le premier, c'est you. You. Ouais. Y-O-U. C'est ouais. Ça? Ouais. Non, c'était pas ça. Le deuxième, justement, c'est you. Yo. Ben, you are. Ya. Yeah. Mais oh là là, on est foutu. Hein. U-R. U-R, ça va? U-R, non. Next. Mais qu'est-ce que tu fais dans les mots, toi? Je dois dire lequel je dois regarder, là. You are. Ça a réinitialisé, vu que j'ai raté. Donc là, je suis à you are. Oh, je ne puche que dalle. La Nico nous a foutu dans la merde. Adieu, monde cruel. Blonde. Je suis blonde. Blonde jusqu'au bout. Ben oui, je suis abonnée. Bon, adieu. You are, c'est en bas. Ça sert à rien, hein. Tu sais, je suis mort là. Oh mince. Les 5 minutes, elles sont passées avec et toi. Et puis, je rien avec ce mot. On doit regarder c'est dans, là-dedans, puis dans la liste, puis là-dedans, puis dans la liste, c'est ça en fait. Alors, je t'explique. Attends, je regarde, voilà. Alors, voilà, là, je te dis un mot qui se trouve là. Okay. Oui, ça, oui. Donc là, pas un truc parce qu'il n'y a pas de mot à ce moment-là. Donc, par exemple, je te dis, il y a un display écrit dessus, ouais, ok? Donc là, tu regardes, tu me dis que je dois regarder en bas à droite, ok? Là, je te dis le mot qui est écrit sur le bouton en bas à droite. Là, tu descends
Et le mot que je t'aurais dit devra être là. Et là, tu me diras le mot sur lequel je dois cliquer en rapport avec le mot que je t'aurais dit. Est-ce que le premier n'est pas, tu dois faire sur le deuxième. Voilà. Ouf, tu veux. Allez, c'est l'année coach jouée. Moi, je vais sur le manuel. Nous y arriverons. On se dit à tout de suite. Nous y arriverons. Ouais, j'aime bien ça là, bon ben. Là, j'ai raté. Alors, le cochonnet, il est prêt. Alors, l'année école n'est pas prête. Elle est pas prête. Start. Donc, je rappelle, hein, si nos voix sont légèrement différentes, c'est tout à fait normal. On a changé, on a interverti les places. Histoire d'avoir l'enregistrement du jeu. Oh, celui-là, bira. Attends, j'en ai des chapins. Il y a quoi? Y'a quoi avec? Ah, y'a les fils aussi! Y'a les fils, ok, je suis sur les fils, c'est bon. Vas-y! Y'a deux trucs avec des fils. Le premier, y'en a six. Ok, six fils. Y'a pas de fils jaune? Si, Ok. Y'a exactement un fil jaune. Et y'a pas plus d'un fil blanc? Y'a pas de fil blanc. Ok. Y'a pas de fil rouge? Y'a deux fils rouges. Ok. Coupe le quatrième. Quatrième? Oui. Ouais, c'est bon. Okay. Attends, le deuxième, c'est avec des fils aussi. Alors, les mêmes. Ah. Ben là, c'est six fils. Six fils, ok. Toujours. Pas de fil jaune? Non. Le dernier chiffre du numéro de série qui est sur la bombe, sur les côtés de la bombe, est un fil. Oui ou quoi? Oui. Ah, attends. Comme le troisième fil, alors. Troisième fil. Oui, c'est bon. Voilà. Labyrinthe. Ah, labyrinthe. Okay. Je cherche le labyrinthe. Alors, non. Ouais, je cherche le labyrinthe. J'y suis pas encore. Voilà, j'y suis. Je dois te dire quoi, les carrés entourés en vert, là. Oui. Ok, alors mon premier carré entouré en vert. C'est quoi ce marché? Bon, bien, bref. Il est deuxième rangée horizontale et troisième rangée verticale. Alors, coupe le réveil. Bon, oui, bah, je sais même pas comment. Alors, tu cliques gauche. Enfin, oui, tu cliques droit. Tu cliques droit. Deux fois, histoire de lâcher la bombe, tu prends le réveil et t'appuies sur snooze. Voilà, c'est bon. Et pourquoi il veut pas? Ah oui, ok. Tu prends la bombe, c'est bon. Donc, tu as dit quoi? Mon carré entouré en vert, il est le premier, c'est deuxième rangée horizontale et troisième rangée verticale. Attends, deuxième rangée horizontale. Et troisième rangée verticale. Troisième rangée verticale, voilà. Et ton point blanc, il est où? Le carré blanc. Oui. C'est le premier tout premier carré perdu de labyrinthe. Donc descends deux fois. Descendre. Comment on descend là-dedans? Avec les flèches, tu cliques sur les flèches. Mais ça veut pas. Pas les flèches du clavier, les flèches. Ah oui. C'est bon? Oui, je suis descendu deux alors, fois. Attends, il fait tout noir. Ah, voilà. Tu fais deux fois sur la droite. Oui, sur la droite. Et puis là, voilà. Tu montes une fois. Ouais, c'est bien ça. Maintenant, le deuxième. Mais il n'y a pas fait B, pas en vert, c'est normal. Le deuxième rond, il est où? Le deuxième carré. Oui. La première rangée verticale, l'avant-dernière rangée horizontale. Alors, donc, première rangée verticale, c'est ça? Première rangée verticale, ouais. Et deuxième rangée. Non, avant-dernière rangée horizontale. Et avant-dernière rangée. Horizontale. Horizontale. Et première rangée verticale. Ok, c'est bon. Descends une fois. Va deux fois à gauche. Deux fois à gauche. Ouais. Descends deux fois pour aller dessus. Oui, c'est bon. Voilà. Mon petit cœur, t'as réussi à désamorcer. Ça, ah, c'est fini, il n'y a plus. Ouais, non, il n'y a plus. C'est ah, toi. Oui, c'est vrai. Toi, tu es un bon explicateur. C'est très bien, tu. Explicateur. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas français du tout. On a survécu à une bombe avec un compte à rebours restant de 1 minute 57. Ah ben mon petit cœur, quand je fais un bombe dans tout le manuel, on gère mieux, hein. Eh l'inverse. Oui. On se comprend, ouais. Donc voilà, c'était notre première vidéo. Hein. On pourra en refaire. Bah si vous voulez, mais c'est vrai que non. Regarde, ça a lâché ses bouches en fait. Et la poubelle qui est renversée. Donc on pourra faire les autres bombes de l'histoire. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire disant que vous voudriez une autre vidéo sur ce jeu-là ou un autre jeu. Hein. Vous pouvez également proposer vos jeux en commentaire. Oui, bien sûr, on attend que ça.
N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu. Hein. S'il y a une bombe qui a explosé dans cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Oui, ayez pitié. Pour soutenir les démineurs et avoir de meilleurs explicateurs dans le déminage, mettez un pouce bleu. Je suis larguée. Moi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Nobody else, so we can be free.